Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. Is it too late now to say sorry? C'est la radio que vous aimez. Baby, don't, baby, don't, baby, don't lie. I don't wanna cry no Amoureux de la bonne vibes, salam. Nous sommes samedi 30 décembre 2023. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver ce soir. Soyez-en rassurés, nous passerons ensemble des moments fabuleux. Vous savez, chers auditeurs, cette soirée sera empreinte de nostalgie, car c'est avec un groupe béninois qui a vu le jour en 1995 que nous allons passer ces fabuleux moments. Ce groupe est composé de 4 membres, Blouv, Ziki, Koldedi et Suite, Glory. Mahela, est-ce que tu as deviné de quel groupe il s'agit? Il me semble bien que ça doit être le groupe All Bass. C'est ça, oui. Ou c'est pas ça? Bon, c'est ça, c'est ça. C'est ça, parce que les noms là me disent quelque chose. D'accord, il s'agit bien évidemment du groupe musical béninois All Bass. Et bonsoir déjà, ça va? Ça va, ça va. Et chez toi, ça va? T'es sûr? Ça va, ça va. Ça d'accord. Va. ATV Sarah Renou assure la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Nadirat Biopéregué, accompagnée de Mariela Dohou. Plus que 2 jours pour que l'année 2024 commence et à la veille des fêtes, on constate souvent une hausse des cas d'accidents et des pertes en vies humaines en découlent. Des pertes en vie humaine en découlent. Et donc, si vous êtes en vie aujourd'hui, si vous êtes en pleine forme, eh bien, sachez que vous devez rendre grâce au Tout-Puissant. En langue nationale, Fangbe, on dit souvent quoi? Midokpenumao. Je prononce bien. Voilà. Et le groupe All Bass le dit si bien. L'éternel te protège. Gracier Popa, Luc Bino, les jumeaux, hein, qui s'est mort. Que cette chanson est sortie, elle totalise près de 72 000 vues sur YouTube. 11 ans en arrière, tu étais où, Mariela? Difficile à dire. Hein.
Il me semble bien que je dois être au CI. Oui. Ah oui, oui, oui. Il me semble très bien que je dois être. Parce que je ne sais pas si c'est sorti quand j'étais au CI, mais c'est quand j'étais au CI que moi j'entendais ce son-là. Je ne sais pas si c'était sorti avant que je commence pas à l'entendre. Et qu'est-ce que cette chanson t'inspire? Bon, moi tout simplement, cette chanson nous transmet comme message de rendre grâce, de reconnaître, de ne pas être ingrat envers tout ce que l'Éternel nous donne comme grâce. On est là, il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils auraient bien aimé marcher, sortir, mais ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont sous oxygène, nous on respire librement, sans avoir à payer pour ça. Donc, je pense que ce que j'ai à dire, comme ce que j'ai à partager plutôt avec les auditeurs à travers ce son-là, c'est de rendre grâce en tout moment. Parce qu'au moment où on se plaint, il y a des gens qui sont dans des situations pires que nous, qui auraient voulu être à notre place. Exactement. Donc voilà un peu. Et c'est le moment pour nous d'installer Mariella Dohou dans la rubrique Vertu des plantes. Amis auditeurs et auditrices, bienvenue dans la rubrique Vertu des plantes de ce soir. Aujourd'hui, on parle du quinqueliba que vous connaissez très bien. Vous ne pouvez pas me dire le contraire parce que je sais que le quinqueliba, ça pousse un peu partout. Et nous qui ne connaissons pas le quinqueliba. Non, mais Nadira, vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas le quinqueliba. T'inquiète pas, je connais. Sérieusement? Le quinqueliba. Je connais le quinqueliba. Le contraire m'aurait étonné. Donc, de son nom scientifique, Combretum micantum, le quinqueliba appartient à la famille des Combretacées et est désigné comme une tisane de longue vie. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, son association avec du bissap ou une infusion d'hibiscus, reconnue pour ses propriétés diurétiques, pourrait aider à lutter contre la rétention d'eau et favoriser la perte de poids. D'accord. Donc si j'ai envie de perdre du poids, je peux prendre... du quinqueliba, une infusion de quinqueliba combinée avec du bissap. D'accord. Le quinqueliba se révèle être une solution naturelle prometteuse pour lutter contre l'hypertension. Des études scientifiques ont démontré que le quinqueliba possède des propriétés hypotensives aidant à réguler la pression artérielle et à réduire la glycémie. Il contribue à réduire l'inflammation et le stress oxydatif dans le foie, favorisant ainsi la santé globale. Les composés actifs présents dans le quinqueliba pourraient jouer un rôle important dans la prévention de la toxicité rénale liée au traitement du cancer. D'accord. Riche en catéchine, un antioxydant très efficace, le quinqueliba est très bon pour protéger la peau du vieillissement en luttant contre la dégradation du collagène et permettrait également une meilleure hydratation de la peau, ce qui lui vaut le nom de tisane de longue vie comme j'ai eu à le préciser tout à l'heure. Donc grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, le quinqueliba peut s'avérer être un allié précieux dans la quête de cheveux sains et forts et d'une peau éclatante. Pour les hommes, j'espère que Tibus est à l'écoute. Pour les hommes, je dis ça, je ne dis rien. Pour les hommes, il est un potentiel aphrodisiaque naturel. Le quinqueliba contient des composés chimiques également, tels que les flavonoïdes qui pourraient stimuler la libido. Il faut aussi dire que sa combinaison avec des plantes telles que la menthe, l'anis étoilé, le citron, le gingembre, et autres aussi ont des apports nutritionnels. D'accord.
Et pour finir, en Europe, précisément en France, il est aussi adopté comme traitement pour plusieurs maladies. Et si vous vous rendez dans ces pharmacies, dans des pharmacies de France, vous pourrez l'avoir sous diverses formes. Mais ceci, il faut ajouter aussi que c'est une plante qu'il ne faut pas... Il ne faut pas exagérer dans sa consommation parce que son surdosage, autant pour moi, est très nocif pour la santé. Donc voilà tout un peu, chers auditeurs. Nous te disons merci Mariella, on espère que les auditeurs ont pris bonne note. Citybus est prêt. Citybus est avec moi, on va remonter en musique pour retrouver cette fois-ci le morceau BD du groupe béninois All Bass. Affaire diacon chauve-souris, les gens n'ont même pas arrêté, mais la légende, elle continue. Tibus, est-ce que tu peux ouvrir le micro à Mariella, s'il te plaît? Elle veut chanter. Mais non. Chers auditeurs, en fond sonore, vous écoutez le titre BD qui en langue française signifie « jamais ». Ils ont tout à fait raison, tout est dans la main de Dieu, votre santé, votre travail, il est le seul qui contrôle tout. Allez, laissez tomber les papatos, les nés avant la honte, les hypocrites et avancez, n'est-ce pas Mariella? Exactement. Et là, tu chantais tout à l'heure, mais maintenant, je te dis de reprendre, tu veux plus reprendre. Pourquoi? Non, je chantais, je dirais pas que je chantais, je peux pas dire que je connais les paroles. Donc, je fredonnais juste en souvenir du bon vieux temps, en me rappelant ce moment-là où cette mélodie-là passait dans les rues, dans le kiosque de mon papa, parce que bon, je me rappelle, mon père avait un kiosque dans lequel il jouait ça souvent. Donc, c'est là que j'ai connu le groupe All Bass. Bon, je ne t'ai pas passé cette chanson, mais c'est là que j'ai connu ce groupe-là et j'aimais beaucoup leur musique. D'accord. Juste pour la mélodie. Et déjà, est-ce que tu peux fredonner une des chansons du groupe All Bass que tu aimes beaucoup? Parce que toi-même, tu sais, c'est le même exercice. Chaque fois, on se relasse. Tu nous dis comment est-ce que tu as connu l'artiste. Ensuite, tu fredonnes la chanson que tu aimes beaucoup. Bon, je les ai connus, je viens de le dire tout à l'heure, oui, je ne peux pas dire sur quelle chanson je les ai connus, mais il y avait un que j'aimais beaucoup, c'était « Anando, mais Rodi, était quand, oui, mais tais-toi, mais les vos sirops ». Est-ce que tu vises quelqu'un actuellement? Tu vises qui? Non, bon, désolée, je ne suis pas sûre qu'elle pourra voir cette émission, mais ça me ferait Mais quand même, tu vises quelqu'un. Plaisir.
Oui, oui. D'accord. Allez, nous allons écouter les réponses de quelques citoyens que nous avons rencontrés dans les rues d'Abom et Calavi, parce que oui, nous leur avons posé quelques questions. Comment est-ce qu'ils ont connu le groupe All Bass? Quelles chansons de ce groupe-là ils aiment? Et ils ont même fredonné cette chanson. Comme moi. Oui, on écoute. Bien sûr, je connais le groupe All Bass. C'est un groupe béninois, je pense bien. Et ce groupe existe depuis 2010. À mon avis, selon mes informations, ce groupe est constitué de 3 membres, que sont Blouve, le feu Blouve parce qu'il n'est plus parmi nous. Il y a ensuite Glory, le chanteur ténor, c'est lui le chanteur principal. Il y a également Cool Daddy, le rappeur. Je les ai connus grâce au titre Tais-toi. Tais-toi qui je peux fredonner en disant Minando Merhodin Tenyi Mitande Mendevosinho Tenyi Mitande Sonoboyanoboyanou Merhodi Dotaun Tenyi Mitande Minando Merhodin La Tenyi Mitande Oui, je connais le groupe musical All Bass. C'est un groupe qui, selon les informations que j'ai à ma disposition, aurait été créé en 1995 et comme information sur le groupe. Déjà, l'expression même est une expression anglaise, All Bass, qui signifierait toute sonorité. Je peux dire que le groupe fait diverses ou des produits diverses sortes de musique, d'où le nom All Bass. Et après quelques années, suite au décès de l'un des membres du groupe, si je ne me trompe pas, le groupe a fini par changer de nom pour devenir Sweet Glory. Voilà, Sweet Glory. C'est ce que je peux tirer par rapport à ce groupe. Et la chanson qui m'a permis de connaître le groupe, c'est leur morceau intitulé BD. BD en fond qui c'est comme une opposition en fait. BD, chant, non quoi, en fond. Et fredonner, c'est le morceau qui dit Je jouais ça à plusieurs reprises parce que voilà. Je connais le groupe All Bass. C'est un groupe mythique qui a fait un bon buzz au Bénin. La chance qu'ils n'ont pas eu, c'est qu'en leur temps, il n'y avait pas une effervescence de tout, de Facebook, des réseaux sociaux en général, quoi. Mais aujourd'hui, ils sont en pause ou bien mort, je dirais, parce que il paraîtrait que ils sont en séparation pour le moment. C'est des informations que j'ai eues. Je sais que le groupe All Bass s'est créé aux environs des années 2005 ou bien 2000. Les informations, c'est que il y a un qui est décédé parce que c'est quoi, c'est quelque chose là. Qui est décédé novembre Nukun, le son où il y avait Pipi Robao, était où tout en novembre Nukun, mettant en ordre. Bon, c'est comme ça. Merci. Ne gardons pas trop le suspense, installons la rubrique Info Artiste pour avoir plus d'informations sur le groupe musical béninois All Bass. Commençons cette rubrique avec l'histoire qui se cache derrière le groupe All Bass. Je ne sais pas, Mariela, est-ce que tu sais qu'il a une histoire qui se cache derrière le groupe All Bass? Non, je l'ignore. D'accord. Je vais partager cette histoire avec vous, chers auditeurs. Alors, le groupe All Bass a été créé en 1995. Seulement qu'en ce moment, le groupe portait un autre nom. Le nom, c'était New Boys.
All Bass, qui veut dire toute sonorité et vibration en langue française, est un groupe de quatre amis qui proviennent du Kati à Kpakpa d'Odomain et qui partagent un amour commun de la musique. Blouv, Ziki, Kool Dedi et Sweet Glory ont choisi de s'appeler All Bass après la proposition de Sergio Machiavelli, qui est tombé sous le charme, devenu depuis lors le manager et le producteur du groupe. Le dimanche 25 août 2023, un membre du groupe All Bass a été malheureusement retrouvé mort dans sa chambre. C'est après leur soirée passée ensemble à Porto Novo sous l'invitation de la Sobrebra. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Non, non, j'ai appris qu'il y avait l'un d'entre eux qui était décédé, mais pas dans ces conditions-là. C'est horrible. Malheureusement, il a été retrouvé mort dans sa chambre. On dirait qu'ils ont passé une soirée ensemble à Porto Novo sous l'invitation de la Sobibra. Et après, il est décédé. Est-ce que tu connais là celui-là qui est décédé parmi eux? Bon, je ne connais pas leur nom, mais il me semble que c'est celui qui est un peu... corpulent. Oui, oui. Exactement. Oui. Il s'appelle Léonive Bento. J'espère que je prononce bien. À l'état civil, il s'appelle Léonive Bento. Et son nom d'artiste, c'est Blouv. Il a rendu l'âme, paix à son âme. C'est très triste. À travers la chanson, le groupe All Bass utilise plusieurs genres musicaux tels que le R&B, du hip-hop, du zouk et même du rap. Ensemble, ils sortent officiellement 4 albums, dont chacune des chansons connaît un succès. Nous avons par exemple l'exemple d'album, nous avons fait Mao, la première pépite du groupe All Bass sortie en 2004 et qui signifie en langue fangbe « crainte de Dieu ». Ils produisent un autre album intitulé « Force divine » qui contient 8 titres, tout comme le premier album exécuté en 4 dialectes. On dit « Gombe », non? Oui. Oui, « Gombe », bon, le « Gombe ». Alors, « Minan », français et quelques bribes en anglais. « Heure de gloire » est le troisième album produit par All Bass et qui contient également 8 titres comme les précédents albums. Hommage à Blouv est le quatrième album produit par All Bass et qui ne compte que désormais 3 membres. Ziki, Kool Dedi et Sweet Glory. Grâce à leur talent, le groupe All Bass détient plusieurs trophées de nomination. Ils ont été nominés meilleur groupe de l'année lors de la 3e édition du Black Music Award en 2007. En 2009, ils ont reçu le trophée du meilleur groupe béninois lors du Bénin Top 10. Lors du Bénin Top 10. Et bien voilà, ce sera tout pour la rubrique Info Artistes que nous vous remercions d'avoir suivi. Souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre. Vous suivez votre émission de divertissement On se relasse, qui se déroule tous les samedis de 18h à 19h. Pendant ces 1 heure, nous vous parlons d'un artiste ou d'un groupe d'artistes. Et ce soir, nous avons choisi pour vous le groupe musical béninois Mariella. All Bass. On a bien entendu. Mariella, ne me dis pas que All Bass. Mais non, j'ai répondu. All Bass. D'accord. On est avec eux depuis. Exactement. Ils ont plusieurs singles à leur actif. Nous avons par exemple Pépé Voyou, BD, Midokpe, Tais-toi, Wanoudé, Nonvi, Maman, il y en a assez. Mais pour le moment, on vous propose d'écouter le titre Tais-toi. Me jodí, 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 me j
ore we bele adwa wo to candidi ena do je gradi bae iye beto aso ku didi beto aso do wo to we oh mone mi na wa do gan blue fa cambio beto le done mi na wa do gan yo 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 zambe. Ils ont tout à fait raison, le groupe All Bass. Il vaut mieux garder le silence face à certaines situations. Il faut savoir raison garder face à certaines situations. On ne dit pas tout ce qu'on voit, c'est peut-être banal, mais le silence joue un rôle très important dans la vie de chacun. Quand on prend par exemple le côté sanitaire. Le silence est bénéfique pour la santé, la créativité, la mémorisation et même la construction de l'individu. Les sages vous diront que la meilleure manière de répondre à un imbécile est le silence. En résumé, il faut savoir se taire. Je ne sais pas si Mariella est du même avis que moi. Si, si, je suis du même avis que vous parce que... Moi, je n'aime pas trop parler, c'est vrai. Est-ce que Tibus est d'accord? Non, mais il doit être d'accord avec moi, je n'aime pas trop parler. Si je dois me plaindre une, deux, trois fois, déjà que je me plains une fois, que bon, ça ne passe pas. Le message, celui à qui je l'adresse, ne le reçoit pas et ne change pas de comportement. Moi, je me tais, je me tais, j'observe juste. D'accord. Avec la complicité technique de Tibus Arirerenou, on t'installe dans la rubrique citation du jour. Amis auditeurs et auditrices, bienvenue dans la citation du jour. Le message d'aujourd'hui est, je cite, « La vie semble trop courte pour la passer à entretenir des ressentiments ou ressasser des griffes. » Ça rentre à peu près dans le message que le groupe All Bass nous transmet. Au lieu d'être là à parler, ouais. Rester sur les points négatifs de la vie, il vaut mieux profiter de ces moments-là. Et je précise plutôt, cette citation est de la romancière anglaise Charlotte Bronte. Il est plus utile de passer son temps sur des choses constructives que de ressasser des points négatifs de la vie. Il n'y a pas que le négatif dans la vie, mais aussi les moments de bonheur, les moments de joie. Donc, il est donc mieux de se focaliser dessus pour ne pas avoir à regretter plus tard. D'accord. Donc, voilà tout pour la citation du jour. Merci à toi, Mariella. Dis-nous, tu nous racontes un peu comment tu envisages passer le réveillon cette année. Raconte-nous un peu. À vrai dire, je n'ai pas de programme, je n'ai rien de prévu. Rien pour le moment. Je me dis, une fois qu'il y a la santé, une fois je dors, je me réveille, je tire mon bras me répond, les gens me répondent, il n'y a pas de souci, la vie continue. Mais je n'ai pas de programme en tant que tel. Je pourrais aller à l'église, mais
Je n'ai pas de programme fixe. D'accord. Chers auditeurs, on espère vraiment que nous sommes en train d'accomplir notre mission, celle de vous faire passer une excellente soirée. Nous allons rester dans la logique de bonne ambiance. Pour écouter cette fois-ci le titre, je laisse Mariella deviner. Toujours tais-toi. On continue avec tais-toi, non? Non, peut-être à la fin. Mais Pépé Voyou. Pépé Voyou vient après. On va continuer avec le titre Bambi Ala. Non mais quel rap, je ne sais pas, bon, tu sais rapper? Ah, mais non, je suis asthmatique, j'ai trouvé le souffle, où? Ah sinon, moi, j'ai l'habitude de rapper, hein. Ah, j'ai oui? même quelques singles à mon actif. Ah bon? Bah ouais, c'est vrai, je peux... On lance quelque chose en je même peux, temps. Je peux démontrer quelques trucs aux auditeurs, mais... Mais allez-y. Là qu'il reste, ça ne m'arrange pas, il faut on que... A du temps, on a du temps, Mariella, on a du temps, radio... Moi, je veux vous entendre. Hein. la radio, c'est l'heure, et là, nous devons installer la rubrique. À mon humble avis, Citybus est prêt. À toutes et à tous, et bienvenue dans la rubrique « À mon humble avis ». Ma femme a eu un enfant avant notre mariage. J'ai voulu reconnaître cet enfant, elle a refusé. Ce que j'ai remarqué est que ma femme cause régulièrement au téléphone avec le père de l'enfant. Or, c'est moi qui m'occupe de tout, école, santé, nutrition, habillement. Mais quand l'enfant est malade, elle saute sur l'occasion pour appeler son père. De même, quand l'enfant rentre à l'école avec une bonne note, elle ne manque pas de téléphoner à son géniteur. Quand les congés arrivent, madame va accompagner l'enfant chez son père et rentre 5 jours plus tard. Et quand je veux me plaindre, elle me fait savoir que l'enfant ne voulait pas la liberté. Bon, l'enfant ne voulait pas la libérer. Dernièrement, j'ai dit à madame d'arrêter les conversations téléphoniques avec cet homme. Elle s'est fâchée. Elle m'a rappelé que c'est le père de son enfant, qu'ils se sont connus sur les bancs. J'ai besoin de vos conseils. Je ne sais pas quoi faire. Déjà, je prends ton avis rapidement, Mariella. De toute façon, je m'apprêtais. Hey, tu sais qu'elle était devant moi, de toute façon j'allais sauter sur elle là. Je ne sais pas si vous êtes sur la toile, depuis un bon moment il y a un lynchage médiatique qui se fait contre les mères célibataires. Vous voyez, ce sont ces genres de femmes là. Moi je ne suis pas mère célibataire, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que juste pour avoir donné une vie, pour avoir donné vie,
on peut se permettre de me traiter de n'importe quoi. Et ces gens de femmes-là contribuent, donnent des comment dirais-je, donnent des raisons à ces types-là, à ces voyous-là qui se permettent de parler des mères célibataires ici, mères célibataires ça. Si elle aime toujours le père de son enfant, mais qu'elle reparte avec lui. Encore qu'on dit que quand les congés viennent, elle amène l'enfant et rentre 5 jours plus tard. Déjà, on laisse même cet aspect-là. Déjà, elle ne respecte pas du tout le monsieur. Tu peux pas être avec moi, avec mon frère, et dire que tu es toujours en contact avec ton ex. Supposons qu'il y a un enfant qui vous lit. Il a le devoir, il a l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant. Mais non, si mon mari actuel décide de contribuer, de donner sa participation, c'est bien. Mais ce n'est pas son devoir. Et pourtant, il le fait. Mais non, de là, tu le laisses. Carrément, on a l'impression, quand on était en train de parler tout à l'heure, moi, je me disais que j'avais l'impression que bon, genre, je ne peux pas m'occuper de ma famille maintenant. Je te la loue. Après, je la récupère. Quelque chose comme ça. Là, maintenant, c'est comme si il était toujours le père de l'enfant était toujours avec la dame. Donc, tu es sous le toit d'un homme et tu sors, tu vas dormir chez un autre homme. Soi-disant, c'est ton enfant. Pendant cinq jours. D'abord, même une journée. Vous voyez au bord de la voie, tu lui remets son enfant. Ou bien, il vient chercher l'enfant chez toi avec devant ton mari. Ou bien, tu y vas avec ton mari et vous déposez l'enfant. Vous revenez à la maison. Ce sont ces genres de femmes-là, on doit battre. Hein. Marielle, doucement, ne te fâche pas, d'accord? Non, mais vous voyez, quand on parle de dignité de femme, il ne faudrait pas qu'on soit en train de parler de femme, défendre la femme aussi, jusqu'au point où elle-même puisse commencer par nous donner des raisons de les lyncher, n'est-ce pas? On va rapidement livrer quelques commentaires. La chance, elle n'est pas d'être devant moi. Il y a un commentaire qui dit « Frère, tu n'as pas besoin de demander conseil pour prendre une décision concernant le comportement de ta femme. » Soit tu la chasses ou c'est toi qui quittes la maison. Toi, tu es là pour aider l'ex, c'est tout. Ouais, moi, je n'ai pas très compris. Hein. Il y a un autre commentaire qui dit « Concernant le sujet, elle a juste besoin de quelqu'un pour prendre soin de son enfant puisque visiblement, le père de son enfant n'en a pas les moyens. Quand la situation va changer pour le père de son enfant, elle ne va pas hésiter à le rejoindre car elle l'aime toujours. » Tu as été bon, ne le regrette pas. Maintenant, sois décisif et demande à lui de rester avec le père de son enfant. Il n'y a pas d'amour, pas de respect ni considération. Alors, ne perds plus de temps avec elle. Il y a un autre commentaire qui dit « Quand un truc n'est pas compliqué, on ne la complique pas. On ne le complique pas non plus. Et quand un chemin n'est pas long, on ne dort pas dessus. Alors, tout ça pour lui dire de faire selon ce qu'il pense lui-même. » Parce que si moi, je suis ton homme avec qui tu es dans la même maison et que tu raccompagnes ton enfant vers son père biologique et tu y vas pour faire 5 jours, je ne pense pas que tu reviendras dans ma maison. Un commentaire pour terminer. Quel conseil tu veux au lieu de les réconcilier quand vous suppliez les filles pour les prendre en mariage, c'est ce que ça donne. Tu n'es pas un gentleman. Renvoie-la chez elle. Eh bien voilà, c'est tout pour votre rubrique à mon humble avis. Et nous allons marquer une courte pause musicale pour écouter la chanson Pépé. Pépé, oui, dédicace spéciale à tous les Souga Baby. Nous allons vous raconter, risque de vous causer un désagrément. Si cela arrivait, veuillez nous en excuser. C'est indépendant de notre volonté. J'ignore tout depuis mon dia. On est ensemble. Pépé, mino, égué, dis-nous en tout équipe. Pépé, manando, toi, égué, dis-nous en tout équipe. Pépé, dina, kunando, toi, égué, dis-nous en tout équipe. Ma blo, pépé, ma blo, ma blo. Il s'appelle Papa la
qui vous a dit que je me sentais concernée. Mais je ne sais pas pourquoi Tibus derrière ça, je ne sais pas pourquoi il me fait les yeux. En fait, tu sais, Tibus, quand il veut quelque chose, il passe souvent par des moyens. Tu vois, donc actuellement là, il veut te dire de te lever, de danser. Non, mais il ne sait pas comment dommage, procéder. Donc, dommage, c'est pas danser, dommage. Sinon, dans cette chanson, le groupe All Bass nous parle de la voix Youkrazy. Et ils mettent également l'accent sur le phénomène de Suga Daddy. Que penses-tu de ce phénomène, Mariella? Vas-y, réponds, c'est une question. Qu'est-ce que je pense du phénomène Suga Daddy? Je ne sais pas ce qui motive ces filles-là. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu cette idée-là. Cette envie? Non, jamais. Okay. Je ne sais pas. Mais quelles sont les raisons? Suga Daddy vous drague. Oui. C'est normal, vous êtes ravissante. Merci. Mais je ne sais pas ce qui motive ces filles-là. Je ne sais pas. Elles sont plusieurs, elles ont leurs raisons. Je ne pourrai jamais les comprendre, mais moi, je suis contre parce que je me dis, je ne sais pas comment je peux me mettre avec quelqu'un qui peut être mon père et lui demander, voilà, je ne sais pas ce que je peux faire. Même si la personne n'est pas de ma famille, je ne pourrais pas être à l'aise avec lui en étant dans une certaine posture, me dire et le considérer comme un potentiel partenaire. Donc, que Tibus arrête de me faire les yeux. Mariella, j'aimerais te dire merci pour m'avoir accompagnée tout au long de cette émission. Déjà, je vais dire que c'est le dernier numéro de votre émission. On se relâche de l'année 2023. Et là, tu peux profiter et souhaiter quelques trucs aux auditeurs qui nous suivent. Donc, chers auditeurs, qu'est-ce que j'ai comme feu à souhaiter? Pour cette nouvelle année, je vous souhaite la santé en premier lieu, c'est la première des choses, la santé, la sagesse et ensuite le succès. J'ai l'habitude de dire les trois S. Pour moi, les trois l'avant de pair, la santé, sagesse et succès. C'est juste ce que j'ai comme vœu à souhaiter pour nos auditeurs et j'espère que... Merci d'abord, je vous remercie d'abord d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette année. Et j'espère que, comment dirais-je? Que ça va continuer. Que cela va continuer, que la collaboration va continuer entre nous jusqu'à l'année prochaine. Merci. Atibus par ma voix vous dit que les fêtes passent mais les dettes restent. Et moi je vous souhaite la paix, le bonheur, la joie et je vous souhaite plein de choses. Et là, nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous venez de nous rejoindre, ce n'est pas bien grave. Allez juste sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook pour regarder l'émission dans son intégralité. À ce micro, je suis restée Bio Perege Nadirat. Ou plutôt Nadirat Biopiregué, si vous voulez. Tibus Arerenou a assuré la mise en onde de cette émission. J'étais accompagnée de Mariella Dohou. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye. Merci. À l'année prochaine. Bye bye.